Et oui, pour cette vidéo, je n'aurai pas le skin Ruby. Pour ceux qui l'auront remarqué, j'ai un des skins Jujutsu Kaisen et c'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui, on va faire un skin Jujutsu Kaisen aléatoire challenge. Dans mon casier, j'ai mis 5 skins en favoris. C'est les 5 skins de Jujutsu Kaisen. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les attribuer chacun à une rareté. Si jamais je tombe sur Yuji Itadori suite à capuche, ce sera la rareté blanche. Si je tombe sur Nobara Kugisaki, ce sera la rareté verte. Si je tombe sur Megumi Fujigoro, ce sera la rareté bleue. Si je tombe sur Satoru Gojo, ce sera la rareté violette. Si jamais je tombe sur Yuji Itadori sans la capuche, ce sera la rareté légendaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je mets tout de suite mes skins en aléatoire. Et je suis tombé sur Yuji Itadori sans le suite à capuche, donc ça veut dire que je dois faire top 1 qu'avec les armes gold. Bon bah écoutez, on est parti. Comme d'habitude, pendant que votre game se lance, pensez au petit code ZFAR. C'est comme la chaîne ZETFAR. Normalement, si vous rentrez de vacances, il sera enlevé, donc pensez bien à le remettre. Allez, c'est parti. Alors, étant donné que j'ai les armes gold, je vais essayer de jouer intelligemment parce que les armes gold, on peut pas les trouver n'importe où. Donc déjà, je vais tenter ma chance au niveau des coffres à 5, hein, des bunkers. Si jamais j'ai pas d'armes gold, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver des clés pour en avoir dans les coffres holographiques. Ce sera ma dernière solution parce qu'après, en soi, il y a pas d'endroit où on a que des armes gold à 100%. Et peut-être que comme moi, vous avez pensé à quelque chose, mais même les coffres forts, finalement, je peux pas les prendre parce que dedans, bah, il y a des armes qui sont mythiques. Et mythiques, bah, c'est pas la rareté que j'ai. Ok, il y a un mec avec moi. Ça, c'est pas bien. Pitié, une arme gold. Pitié pour une fois dans la vie. Allez. Non. Vous voyez, c'est ça que je craignais. Le problème, c'est que si je me fais jouer maintenant, c'est la sauce. Je vais aller voir si par hasard, dans les coffres holographiques, il y a rien. Et bah, non, il y a rien non plus. Ah ouais, faut que j'arrive à prendre la faille. Chobai toi, je t'aime pas. Merde, il a aussi pris la faille. Je crois qu'il m'a pas vu. Je vais regarder si là-dedans il y a une arme gold. Ok, il y a un pompe comme ça, il est pas foufou, mais de toute façon j'ai pas le choix, faut que je le prenne. Donc il faut que je trouve des clés, et bah voilà. Trop bien ça. Je vous l'accorde, c'est pas la meilleure arme, ça fait l'affaire. Regardez, il est là. Faut que je lui saute dessus maintenant, pendant qu'il est dans l'avion. Allez hop, je vais aller faire tous les coffres holographiques de la région, c'est ma seule solution vu que j'ai 3 clés. Ah bah là on est bien. Hop, arme gold. Alors je voulais vous partager quelque chose. Il y a quelques jours, j'ai un abonné qui m'a envoyé une photo sur Twitter. Il m'a dit qu'il aimait beaucoup regarder mes vidéos et qu'il les regardait pas n'importe où puisqu'il les regarde sur son frigo. Je vous promets que c'est vrai. Nolus vous mettra une image à l'écran maintenant. Je sais pas quoi en penser en vrai parce que je me dis en soi c'est trop stylé. Mais en même temps, à quel moment le mec il est devant son frigo, il a eu l'idée de regarder mes vidéos? Je comprends pas. À moins qu'il ait pas de télé chez lui, ça n'a pas de sens. Bon, vous êtes tous les ennemis là. Oh, il y a quelqu'un ici. Viens là, toi. You. Oh, le gros trouillard. Je crois qu'il attend juste que sa boule surcharge. Il va pas me tuer, quand même. Comment ils me font flipper ceux qui ont toujours ce renfort là? Non, il va pas me tuer. Non, je vais mourir. Je crois qu'il attend que sa boule se recharge. Voilà, il m'aura pas. Allez, tiens. Comment il fuit? Oh! Reviens là, toi! Maintenant que t'as plus de boule, tu fuis! Hein. Bah ouais, c'était sûr, espèce de gros trouillard! Oh, les mecs comme ça! J'en ai vu des trouillards, mais alors celui-là, sans sa boule de Jujutsu Kaisen, il était perdu! En vrai, si je vais être intelligent, je vais retourner au niveau du lama ici, comme ça, ça me remettra full max. Viens là, toi! C'est bon. Ouais, de toute façon, les pouvoirs du Jujutsu, c'est mythique, donc c'est même pas la peine, je peux pas les avoir. Bonne pioche exotique, je vais pas le prendre non plus. Let's go. J'ai toujours pas dit bonjour à tous les bots de la map, il faudrait vraiment que j'y pense. Ouais, faut vraiment que je le fasse, c'est important. Faut être poli, et non pas Robocar poli. Oh!
Oh, il m'a arraché sur la fin. Non mais Noluz, ma blague, il faut la noter sur 10. Nickel. Oh, trop bien. PM Gold. Ok, j'hésite juste du coup entre Ravageur ou Space. Je vais quand même garder le Ravageur. Nickel. D'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, mais l'île, c'est un repère à taré. Ça veut dire que si jamais vous voulez rencontrer des malades, c'est là-bas qu'il faut aller. Regardez par exemple lui. What? Oh my god! Ce qu'il vient de prendre! Retour instantané au lobby. Alors pour lui, il n'y a même pas de pitié. C'est de showbye. En vrai, tant pis, je vais pas aller sur l'île. Parce qu'elle est même pas dans la zone. Oh, il y a un mec là. Il est en train de fuir le mec de l'île. Donc peut-être qu'il est low. On va tester. Nice. Marque cette mythique, je peux même pas la prendre. Dommage. Oh! Il y a un mec dans le bush. Coucou. Ça va quoi la citrouille? Non. Oh, let's go, le one qui passe. Il était bon, lui. Hein. J'ai vraiment eu peur. Je me voyais déjà mort quand il m'a box. Je sais pas qui c'est qui m'a tiré au loin pendant que j'étais en fight, mais je vais lui faire la peau parce qu'il a failli me tuer. C'est lui. Mon gars, écoute, je te préviens, toi. Je n'aurai aucune pitié avec toi. Regardez. Voilà. Fallait pas me spam. Let's go. 10 kills. Ça se fight là-bas, faut que j'y aille. J'ai ramassé les deux kills. Parfait, on est plus que 3. Oh, ça tire à gauche. Ah, c'est un ZZ, je crois. Ok, et du coup, je suis en 1v1 final. Oh, let's go, c'est pas une lumière. Bon bah écoutez, c'est un défi Jujutsu Kaisen aléatoire réussi avec 14 kills. Et ça, c'est cool. Par contre, si je me fais karma... Attendez, mais il a même pas la zone, lui. Allez, je lui mets une tête. Et c'est fini. Nice. Combien team couronne? C'est ma 30e tout pile, ça fait plaisir en plus. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Regardez, d'ailleurs, je suis retourné au lobby et ça m'a mis aléatoirement sur le skin de rareté blanche. Ça aurait voulu dire que si là j'avais fait top 2, j'aurais dû refaire ma gamme avec les armes de rareté blanche. Bref, merci d'avoir visionné et merci à ceux qui ont mis un petit like. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!